est de Madagascar, région de Nouramang. Nir Rabibisoa vient faire un inventaire de l'habitat de la Mantella, une minuscule grenouille de 2 cm unique au monde. Ah bon, voilà Tina, il y a un étudiant de l'université d'Antananarivo qui est venu en Dasbé ce matin-là. À Madagascar, comme partout dans le monde, la survie des amphibiens est menacée par la destruction de leur habitat. Nir cherche des solutions concrètes pour éviter leur disparition. C'est un spécialiste des reptiles et des amphibiens. Il prépare sa thèse de doctorat tout en travaillant sur des projets de gestion des ressources naturelles avec Biodev, une organisation locale. Nir va localiser une partie de ses recherches dans le parc national de Mantadia. Il est accompagné d'un guide local. Nous sommes début décembre. La saison des pluies a commencé et avec elle, la saison des amours des batraciens. Nir doit se rendre sur 3 sites où vivent 3 espèces de Mantella dont il veut étudier la reproduction. Étant donné la taille de l'animal, il ne peut les observer qu'en captivité, dans un terrarium qu'il devra construire. 99% des grenouilles malgaches sont uniques au monde. La famille des Mantella est la plus riche, même si elle ne comporte que 11 espèces reconnues pour le moment. Chacune vit dans un habitat spécifique et parfois très restreint. L'une d'elles habite sur une superficie d'à peine 9 km². Certains comportements de ces étonnantes grenouilles sont encore méconnus. Nir veut donc récolter le maximum d'informations sur le terrain. Bonjour. La nuit, les espèces nocturnes sortent. Des papillons de nuit et surtout des grenouilles arboricoles. Elles chantent en descendant de la cime des arbres où elles ont passé la journée. C'est ainsi que le guide parvient à les repérer. Nir enregistre les cris des grenouilles à différentes heures de la nuit pour pouvoir les étudier. C'est dans cette clairière que chaque année, des Mantella madagascarensis se rassemblent pour la saison des amours. Bien que ces grenouilles soient diurnes, elles chantent aussi le soir. Nir se laisse guider par leur son et réveille au passage un caméléon endormi. C'est souvent la nuit que les femelles choisissent de pondre leurs œufs, entre 30 et 80. Nir n'a pas souvent observé le rituel amoureux. Et jamais la ponte. Les femelles mesurent 3 cm, les mâles sont plus petits. Ils appellent les femelles d'un cliquetis régulier depuis leur retraite sous les écorces d'arbres. Nir s'allonge pour passer une partie de la nuit à observer les comportements des Mantella. Une nuit sous une pluie fine, Nir a surpris un mâle qui s'accouplait avec une femelle. Très vite, ils ont disparu sous un rocher. C'est là que le mâle a fertilisé les œufs. 4 jours plus tard, la pluie a provoqué l'éclosion des œufs et les têtards ont été entraînés par le ruissellement vers une flaque. C'est là que s'est poursuivie leur transformation.
70 jours plus tard, ils ont quitté l'eau à jamais pour devenir des grenouilles forestières. La forêt naturelle est le seul habitat des Mantella. Elle ne s'adapte pas dans les forêts plantées d'eucalyptus. Depuis des millions d'années, cette forêt abrite de nombreux reptiles uniques au monde. Aucun n'est venimeux. Les lémuriens dépendent de cet habitat où ils se nourrissent de baies, de fleurs et de feuilles qui n'existent nulle part ailleurs. Dans cet environnement, chaque espèce a développé sa propre stratégie de survie. Comme tous les lémuriens, ce groupe de fulvus est dirigé par une femelle. L'Indri est le plus grand lémurien de l'île. Contrairement aux autres, il n'a pas de queue. Pour Nir, c'est une chance de surprendre ces grenouilles forestières en pleine ponte. Lorsque l'eau est tapissée de leurs œufs, elles rejoignent sans tarder la forêt. Nir et le guide sont maintenant sur un autre site
beaucoup plus au sud du parc. C'est l'habitat d'une mantella communément appelée grenouille pygmée dorée. Nir va faire un quadra, c'est-à-dire qu'il va délimiter une zone précise pour répertorier toutes les espèces qui s'y trouvent. En renouvelant cette opération à trois endroits différents et à des périodes distinctes, il pourra déduire le nombre et la répartition des espèces selon l'altitude, la température et la saison. Au fil des années, il mettra en évidence l'évolution démographique des mantellas sur ce site. Le quadra fait 10 mètres de côté. Le filet bien ancré sur le sol va empêcher les animaux de s'enfuir, qu'il s'agisse des reptiles, des batraciens ou des insectes. Les deux hommes vont quadriller le terrain simultanément, de manière à se croiser à intervalles réguliers pour n'oublier aucune parcelle de terre. Les mantellas vocalisent pour défendre leur territoire. Les agressions sont communes aux deux sexes. Les conflits sont plus fréquents pendant la saison des amours, car les mâles se regroupent pour attirer les femelles sur le même micro-territoire, près d'un point d'eau. Munis d'un sac en plastique perforé, et donc sans danger, les hommes vont recueillir tous les animaux qu'ils trouvent et les classer par espèce. Le soir, Nir répertorie les espèces qu'il a trouvées. Il en ramènera certaines avec lui à la capitale et le guide relâchera les autres sur le site du quadra. Nir prend congé de son guide. Il se rend à une vingtaine de kilomètres au nord, dans une région de forte densité humaine. Depuis trois ans, Nir sillonne les forêts malgaches à la rencontre des populations locales. Il tente de les sensibiliser à la déforestation et à la transformation des marécages en rizières, cause majeure de la disparition des grenouilles. À Madagascar, entre 200 000 et 300 000 hectares partent en fumée chaque année. Les hommes n'ont souvent pas d'autre choix que de détruire la forêt pour cultiver les meilleures récoltes qui les nourriront. Ces dernières années, le commerce des mantellas a explosé. En Occident, les particuliers troquent leurs poissons rouges pour cette grenouille miniature. Elles se vendent en France 150 francs chacune, alors qu'elles ont été achetées aux paysans 10 centimes pièce.
Nir ne milite pas pour l'arrêt de ce commerce car il y voit une solution immédiate pour protéger l'habitat des grenouilles. Certains marécages, qui auraient pu être transformés en rizières, sont restés intacts car les paysans y voient un intérêt économique. Mais il reste urgent de mieux contrôler ce commerce. Nir est convaincu que l'implication réelle des villageois, payés à un juste prix, permettrait de générer suffisamment de revenus pour les encourager à protéger ces batraciens. Il poursuit son programme de sensibilisation. Il explique aux paysans comment reconnaître les mâles des femelles pour ne prélever que les mâles. À la saison des amours, on les reconnaît à leurs cuisses rouges et gonflées. Il leur suggère d'attendre la fin de la ponte avant de capturer les mantella afin d'assurer la collecte de l'année suivante. Il poursuit son enseignement dans les villages en montrant aux paysans comment nourrir les grenouilles et comment les stocker dans des paniers sur des étages de fougères. Nir retrouve un collègue spécialiste des mantellas à l'université d'Antananarivo, capitale de Madagascar. Ensemble, ils vont construire le terrarium pour leurs recherches. Ça, c'est pour les reptiles, donc. Tu emmènes des spécimens nécessaires là-dedans? Oui, tout ce que j'ai pu faire. Mais en 10 jours... J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer aussi, parce que au moment de recevoir les documents et le plan définitif du parc en France, voilà l'aspect général, et c'est une construction sur 7500 mètres carrés. Ce projet français sera pour l'Europe un espace de sensibilisation aux problèmes de protection des batraciens et reptiles. Recette du terrarium. Il faut d'abord placer les fougères, les rochers et disposer les écorces d'arbres. Ils serviront d'abri aux grenouilles. Ne pas oublier un plateau pour faire une mare. Ensuite, napper de 5 cm de terre l'ensemble du terrarium.
Terminez en saupoudrant le tout d'humus pour garantir l'humidité du lieu et ajoutez une bonne couche de feuilles mortes. Celles-ci protégeront du froid les grenouilles. Enfin, pour le plateau, prévoir un fond de sable recouvert de lentilles d'eau sur lequel on versera de l'eau. Apportez la touche finale avec le filet qui empêchera les animaux de s'échapper et maintenir à une température de 25 degrés. Nir rajoute les espèces qui partagent le même écosystème que les Mantella. Elles peuvent maintenant prendre possession de leur territoire. Donc, je vais te donner des couilles. Les cloportes géants serviront à nettoyer le terrarium en mangeant des feuilles mortes. Oui. Et en creusant des galeries, ils aéreront la terre. Tu as remarqué, Nir, que ces bestioles sont un peu stressées lors de leur séjour dans le panier. Et maintenant, ils cherchent leur cassette pour se camoufler. Nir rajoute des fruits pour attirer les drosophiles dont se nourrissent les Mantella. Il n'oublie pas de mettre des fourmis et des petits scolopendres tout aussi appréciés. Nir se laisse attendrir par ces minuscules joyaux vivants aux couleurs éclatantes. Passionné, il continue ses observations tout en pensant à leur avenir. Mieux connaître les animaux pour mieux les protéger, c'est une théorie que partagent les chercheurs du monde entier. Mais depuis peu, on prend également conscience du rôle des populations locales pour la protection de leur environnement. Nir souhaite voir les paysans devenir les gardiens de leur environnement. Chat me utan mais azan.